Coucou. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog, encore une fois, au Musée d'Art Moderne, parce que du coup, ils organisent un bowling. Oui, un bowling, vous avez bien compris. Ça va être marrant. Et après, on va aller visiter une salle d'exposition qui propose à des artistes et des illustrateurs et tout un tas de gens de venir dessiner dans ces locaux. Hey. Voilà, on approche, comme le dit ce mur derrière moi que j'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Ils ont construit un bowling sur la place devant le musée, c'est assez... Enfin bref, on va voir ça va être assez cool. La file d'attente des gens en attente d'un breuvage alcoolisé. Alors, oui. Il va falloir un nom d'équipe. Comment il s'appelle le personnage? Spiro de Nintendo. Voilà, Spiro. Spirotonique. Allez, les Spirotoniques. Avec un I ou un Y? Je sais pas. Tu commences déjà comme à compliquer les choses là. Et ça commence quand? On vous appellera. D'accord. Voilà, mon équipe de bowling. Spirotonique, l'équipe de bowling qui va. Alors, histoire de vous expliquer un petit peu, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, il y a un grand chose là, un espèce de grand écran gonflable, c'est pour quoi faire? Excusez-moi, c'est pour quoi faire ça en fait? C'est pour une projection de Big Lebowski. Big quoi? Big Lebowski, c'est un film des frères Cohen. En fait, dans le film, ils font beaucoup de bowling. Genre dans le thème. Alors voilà, ce grand panneau blanc, c'est pour montrer un film sur le bowling. Ils sont complètement partis dans le délire bowling aujourd'hui, c'est assez fou. Donc, pour vous expliquer un petit peu, j'ai réussi à rejoindre une équipe, ce qui est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'ils sont bons quand même et qu'on va gagner. Parce que les gagnants vont recevoir comme prix ces quilles qui sont magnifiquement bien décorées. J'aimerais bien en avoir une, ça irait bien dans mon décor pour YouTube d'ailleurs. Vainqueur des déguisements. Le Jude. J'ai rien fait, je me suis mis une seule herbe noire. Et bien voilà, terminé le bowling, on a fini 3ème et du coup les deux premiers recevaient des quilles. Sauf que du coup à la fin il restait des quilles, donc du coup bah... Tu me connais, on a négocié pour en avoir. Voilà. Alors j'ai pas forcément eu celle que je voulais, puisque du coup bah toutes celles que je voulais étaient déjà parties. Mais c'est quand même plutôt cool, allez on se dirige vers le prochain lieu tout de suite. Me voilà donc au CEAAC, le CEAAC. Oh, je vois pas, c'est tout flou. Enfin bref, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Vous allez voir, c'est assez étrange, mais c'est tout à fait génial.
Voilà, sortie de l'événement, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je me suis amusé comme un petit fou, amusé, à faire cette illustration, même si je suis arrivé en retard, hein, à 23h, alors que ça finissait à 22h. Non, c'est l'inverse. Donc du coup, bah, cette petite illustration, deux têtes avec quelques petits croquis, faites en une heure, voilà. On peut voir d'ailleurs avec ce genre de petit événement qu'il y a beaucoup d'artistes très très méconnus, ou qui n'ont même pas envie de se faire connaître, que c'est juste par passion, qui sont extrêmement bons sur Strasbourg, n'est-ce pas? D'ailleurs, si vous êtes vous aussi artiste, ou tout simplement envie de faire du dessin et de boire une petite bière entre amis, l'événement se passe au CEAC, je vous mettrai le lien dans la description. L'événement s'appelle Partage et Dessin, et les dessins qui ont été faits pour les séances précédentes sont exposés pour les séances suivantes. Enfin bref, il est temps pour moi de vous quitter parce qu'il fait déjà noir, il faut que je rentre chez moi faire dodo. Et puis en plus, on me voit même plus à la caméra, il fait trop sombre. Je vous souhaite, mes amis, un bon abonnement et de souscrire à une bonne soirée. Salut! Maintenant, cette belle quille va rejoindre le décor. Sage. Oh,